Avant toute chose, je voudrais présenter mes sincères excuses à la presse venue nombreuse à cette conférence de presse particulière et qui va être donnée dans un contexte qui est lui-même particulier. Croyez-moi, nous avons fait de notre mieux pour accueillir tout ce que nous mesurons l'importance qui est attachée à cet événement à travers la patience exceptionnelle dont vous avez fait preuve. Bon. Alors même que cette conférence devait débuter, a été annoncée à 10h30, nous la commençons à 15h passées et vous êtes présents aussi nombreux. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur. En mon personnel, au nom des membres de la coalition gagnante qui s'est formée autour de ma candidature, de nos militants et sympathisants et de nombreux Camerounais qui nous attendent et nous regardent à l'heure qu'il est. Ceci est ma déclaration sur l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. Je voudrais d'emblée remercier solennellement le peuple camerounais qui a une fois de plus démontré par son vote sa maturité, sa sagesse, sa force et son engagement en faveur du changement. J'exprime également ma gratitude à l'endroit des militants, des sympathisants et de tous les autres membres de notre coalition gagnante, ainsi que l'ensemble des bénévoles qui ont pris une part active à cette campagne présidentielle historique et sans précédent. J'ai reçu mission de tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré. Le but a été marqué. Nationale et internationale de l'événement historique qui a rendu possible dans notre pays une alternance démocratique. Camerounaise, Camerounais, vous faites notre fierté. Restez dans la joie. Nous sommes profondément attachés à la paix et n'avons cessé de le clamer depuis la création du mouvement pour la renaissance du Cameroun en 2012 et tout au long de la campagne électorale. J'ai reçu du peuple camerounais un mandat clair que j'entends défendre fermement jusqu'au bout. Le président de la République a organisé les conditions d'une transmission pacifique du pouvoir afin de mettre le Cameroun à l'abri d'une crise post-électorale dont notre pays n'a nullement besoin, car elle compromettrait son avenir. Comme je m'y suis engagé, je lui assure à lui-même
et à sa famille toutes les garanties de sécurité, d'immunité et de respect dues à son statut et au rang des siens. J'en appelle au sens républicain des autorités administratives, des forces de défense et de maintien de l'ordre, afin qu'elles accompagnent positivement ce moment solennel et historique auquel le peuple camerounais nous a conviés collectivement de façon mémorable. Mes bras leur restent ouverts pour qu'on œuvre ensemble à la renaissance nationale. En ce moment unique, j'ai une pensée particulière pour toutes ces femmes et tous ces hommes, jeunes et moins jeunes, qui ont souffert dans leur chair ou ont échappé à la mort et qui, pour certains, sont encore en détention pour avoir osé s'opposer aux multiples actes de fraude orchestrés par le pouvoir et ses agents. Je lance un vibrant appel aux candidats à l'élection présidentielle qui, comme nous, ont œuvré pour un changement dans la paix dans notre pays, à se tenir mobilisés pour défendre, en cas de besoin, la volonté exprimée lors du scrutin du 7 octobre. Mon appel s'adresse également à toutes les forces politiques et organisations de la société civile et en définitive à tous les Camerounais épris de paix et de démocratie. Last but not the least, I'll finish with a talk to our fellow brothers and sisters, daughters and sons of the Northwest and Southwest. I only have a word, and I will abide by it. I'm coming soon to reconcile our nation as a family. I'm committed to rebuild the villages that have been burned down and to compensate the incurred losses. Don't lose hope. Very soon, the sun will rise and shine again over the Northwest and Southwest. God bless you all. God bless Cameroon, our beloved nation. Thank you. Été tiré. Ça a été tiré. C'est trop bien. Pas en chien,